Bonjour à tous, c'est Cyril et on se retrouve aujourd'hui sur Prison Architecte. Et aujourd'hui, on va pouvoir travailler sur notre nouvelle cible. C'est parti! On reprend donc la vidéo là où nous l'avions laissée la dernière fois avec ces jolis blocs ici présents. Qu'on va essayer de réunir assez facilement, rapidement, normalement, avec un revêtement heal. On va pas s'embêter pour l'instant, on va faire que ça. Voilà, on va faire un gros bloc carré malheureusement. C'est moche, mais c'est plus rapide et efficace. On va le laisser bosser. Et là, ça va se faire tranquillement. En attendant, on peut avancer, je pense, le temps. Voilà. Et ça va être notre terre promise. Voilà, en entier. Alors, pour un peu plus d'esthétisme, on va essayer de faire quand même les angles. Hop là, pour essayer de rogner un petit peu. C'est pas forcément très beau, mais on va essayer de faire ça comme ça. Alors j'ai pris les dimensions, ça fait du 130 sur du 160 à peu près. Ce qui nous fait une île qui est plus grande que ce bloc là en largeur. Et bien sûr aussi long que les deux, que tout le... Voilà, vous avez compris, hein. Ça se vaut quand même pas mal. Elle reste plus grande, donc il y a moyen de faire un truc d'immense. Le but va être d'avoir un truc totalement enfermé dans un seul et même bâtiment avec toutes les salles dedans. Pas d'extérieur, sauf au milieu où on y mettra la cour. Je vois quelque chose comme ça. Je pense qu'ici, avant de commencer à vouloir mettre le quai, il va nous être nécessaire de remettre de l'eau ici. Alors ici, on voulait faire le passage là, hein. Donc on va faire un truc comme ça ici. On va les faire débarquer là. Ça on est bien. Et quai de ferry. Voilà, ici. Doit avoir une masse de terre parallèle pour s'y rendre. Et je pense que là on a quelques difficultés parce qu'on a le truc qui bloque. Comment on va faire ça? Oui, ok, donc on va faire un mur, bien évidemment deux grillages là. Alors faudra qu'on soit vigilant bien sûr sur ce qui se passe hein, dans la prison. Ça va être très compliqué d'être attentif sur tout ce qui va se passer. Tac. Ouais, porte ici. Vous voyez, bien sûr vigilant parce que là il peut y avoir du monde qui passe. Donc on va au moins mettre en déploiement un gardien là. Et ça va être un gardien au moins là. Voilà. Oups. Très bien. Ici, il est quelle heure? Il est 9h du soir. Qui dit 9h du soir dit bientôt la fouille. Notre traditionnelle fouille. En parallèle, on va quand même continuer ici. Je pense que ça, on peut le démonter. On va démonter cette partie-là, démolir mur ici, et démonter porte. Normalement, il n'y a personne qui pourra venir là. Je m'inquiète pas trop là-dessus. Il y aura malgré tout un sniper pour prévenir. On aura d'autres petites choses potentiellement qui vont traîner, mais ça va être déjà bien si on a ça. Ouais. On va avancer un tout petit peu le temps. Je pense qu'on va essayer de creuser un tout petit peu dans l'île quand même pour laisser un peu plus de place au ferry. Un peu dans ce genre là. Normalement c'est de l'eau qui va être mis ici. Où va être le ferry maintenant? Je me suis trompé ou pas ici? C'est bien de l'eau que j'ai demandé. Ouais, je comprends pas forcément ce qui se passe, mais pourquoi pas. On va commencer par fouiller les tunnels. Tout secteur, on commence par ça. Tranquillement, ça on sait faire. Ça se passe très bien d'habitude. On exagère un petit peu, on fait un petit tour de renseignement quand même pour voir si on n'a pas raté quelque chose. C'est le grand classique, on en oublie quelques-uns en ce moment.
Il faut qu'on arrive à s'adapter là-dessus. Donc toi, t'es bien jaune. Ça, c'est bien. J'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres, sauf ceux qu'on ne voit pas du tout. Membres de gang. Oui, on a quelques difficultés, c'est les membres de gang, bien évidemment, qui sont en train d'arriver au fur et à mesure et qui vont nous embêter. Alors, est-ce que là, ça va virer ce qu'on a demandé? Je crois que je l'ai pas fait. On va donc démolir le mur ici. Je pense au moins jusque-là. Voyons ce qui se passe. Les murs, à première vue, il n'a rien détecté. Là-dessus, on a l'air pas mal. Première vue, hein. Est-ce que là maintenant je peux poser le ferry? Alors si on a déjà des difficultés à poser le ferry, on est vraiment... C'est ferry hein, qu'il faut qu'on pose ici. Ah, attendez. Ça c'est pour l'extérieur, nous c'est intérieur, on est bien d'accord. Donc c'est bien ça qu'il faut qu'on pose. Et là on va pouvoir poser notre ferry ici. Voilà. On n'en met qu'un seul pour l'instant, mais c'est vrai qu'en mettre deux aurait été peut-être un peu plus intéressant. Pour faire un peu plus joli. Alors, attendez, on va essayer de se mettre en pleine journée quand même. Pour avoir une meilleure luminosité. Parce que c'est vrai que là, on voit pas grand-chose. Ouais. Voilà, là, on a fait un petit peu les angles. Ça va être un peu plus classe. Première vue, tout se passe bien ici. Alors, on a pu prouver qu'elle était assez autonome. Faut juste pas oublier de faire les tunnels et une fouille générale de temps en temps. Mais cette partie-là est assez autonome. Celle d'en bas, encore plus, hein, on s'occupe quasiment pas du tout des aliénés. Clairement, hein, on ne s'en occupe pas du tout. Il y a 27 cellules et on a 22 prisonniers ici, c'est très bien. Ici, ça se passe totalement en autonomie parce que les gars, il y en a un. Ça va, deux ganguinets, un ancien de balance, un, deux, trois. Mais ça se bagarre pas du tout ici, hein. Faut se le dire. Donc on va dire qu'on est vraiment bien. On va, comment c'était dit, démonter tous les arbres. Alors on va déjà annuler ce qu'il veut faire parce que je pense qu'il veut peut-être nous les détruire. On va les vendre. Ou c'est démonter, je sais plus, ça doit être démonter qu'il faut faire donc. On va y aller progressivement parce que là si on s'amuse à faire ça maintenant, à construire le moindre truc, on sera bloqué. Parce que clairement, nous n'aurons pas assez d'argent. Hop là, on va finir cette partie-là. Une fois que tout ça fait, logiquement, ça devrait être vendu sans aucun problème. Ok, maintenant là, ça va bosser tranquille. On a dit qu'on fait les bases, hein. Ça va nous prendre quand même pas mal de vidéos pour arriver à tout faire, je pense. Parce que ça reste très très long et très compliqué à faire. On avait augmenté, oui, notre cantine. Ça a été bien important parce que je pense que ça s'est tassé un petit peu, mais là, ça a l'air d'aller. On avait rajouté ici, on avait raménagé ce bloc-là pour réduire un petit peu la partie infirmerie. Augmenter le psychologue, bon, ça vaut ce que ça vaut. Je sais plus si on peut voir la qualité des pièces ici. Non, là, il n'y en a pas. D'accord. On avait fait aussi un centre de tri et le magasin qu'on n'avait pas touché. On avait fait quelques revêtements par-ci par-là pour améliorer un peu la qualité des saules. La cour, on l'avait agrandi, pété un peu le grillage qu'on avait mis parce qu'on s'était rendu compte que c'était pas forcément archi nécessaire. Et toi, tu vas où? Tu vas travailler, pourquoi pas. Et globalement, franchement, on est un truc qui se passe bien. Voilà, donc là, les arbres ne seront vendus, ce qui va nous faire un peu d'économie. Ça reste très très important, bien évidemment. On avait mis quelques petites foresteries ici pour essayer de nous faire gagner aussi un peu plus de bois, donc un peu plus d'argent. Oula, oula, oula. Ah, attendez, là il y a plusieurs choses. Un tassement de terrain a démoli une partie du mur extérieur, remédier immédiatement à la situation, bien évidemment. Et lui, il est mort. Il est mort de quoi, lui? Il est mort de mort. Ok, il est mort de la mort, hein, à première vue. Tac, tac. Ça,
c'est pas grand chose. C'est pas la première fois qu'on a un tassement de terrain. On l'a eu il y a un bon petit moment. Ce qui est pas très rassurant. Mais malgré tout, on n'a pas le choix que de faire avec. On a des traces de pas. Oui, ça c'était des placements qu'on avait demandé sûrement de faire, je crois. Je m'en souviens même plus de ce qu'on avait fait dans le passé. En tout cas, on a 29 mecs qui se sentent bien dans cette prison-là. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. On vérifie les informateurs. À première vue, là, les gars, on les a pas encore cernés. Quelques mecs forts, mais c'est pas grave. À première vue, on n'a rien qui traîne. Bien évidemment, ici, ça va bosser du mieux qu'on peut faire. Ça va être quand même compliqué de pouvoir gérer les deux prisons en même temps. Mais on va y arriver. On va y arriver. Ici, en fait, on fera des blocs, tout ce qui est salle d'attente, pas salle d'attente, sécurité, tout ça, blocs d'énergie. On fera des classes, des ateliers. Alors les ateliers, on fera principalement des lits. Ici, on a fait un truc full plaque d'immatriculation. Là-bas, on va faire full lit. Il faudra qu'on refasse du courrier, qu'on fasse des magasins, qu'on isole clairement. Tous ceux qui vont être ici ne devront pas se déplacer là. À première vue, actuellement, ça ne se fait pas. Donc on verra si on arrive à faire la même chose. Là, on va faire un truc qui est pour moi toujours important. Qui va être de faire... On va essayer de fermer cette partie-là. Ouais... On va faire ça ici, voilà. Et on va essayer de fermer au maximum l'île ici pour être le plus tranquille possible. Ça c'est du classique, hein. C'est vraiment juste pour sécuriser. Normalement personne ne viendra. Mais au moins on sécurise au maximum. Voilà. Et on va pouvoir monter tout en haut, ici, et finir de l'autre côté. Ça reste assez rapide malgré tout, hein. Ça peut paraître long, mais... Voilà, ça se fait facilement. Et ça mange pas de pain, c'est pas pour l'économie qu'on perd, là. Ouais, ça fait quand même des bonnes longueurs, hein, mais... Mais ce qui est bien, c'est que là, on a vraiment fini toute l'île en haut. Donc tout va se passer ici. Et on va mettre une porte de personnel pour être vraiment tranquille. On a de l'admission, du moins on a de la libération, on a de la réhabilitation, bon, qui nous coûte un peu mais ça va, on a un peu de trésorerie qui rentre, on a des mecs qui rentrent et qui sortent, oui c'est de l'admission, voilà exactement. Donc finalement tout va bien se passer, logiquement on devrait bientôt avoir les 40 000 aussi de disposer d'un prisonnier qui ayant réussi le programme général de formation... du moins, formation scolaire générale. Nous étions à ici. Il y en a un qui semble bien avancé. Hein. Il est là. C'est Barry. Barry qui a des aptitudes... Non, on le voit plus là. Bon, en tout cas, voilà. De ce que j'avais vu lors d'une précédente vidéo, il semblait quand même être pas si mauvais que ça. Ça, c'est bien. C'est la cour. Là, ça a l'air de bien se passer. On a du monde ici. Globalement, je trouve que ça se passe bien. Lui, il doit être escorté en cellule. Là, on avait quelques lits. On pouvait essayer d'agrandir un petit peu si on le souhaitait, cette partie-là. Je vais quand même y mettre une petite caméra, je pense. Ça m'embête de ne pas avoir la vue ici. On arrive quand même à avoir une vue ailleurs, mais pas ici. On va continuer à accélérer le temps pour essayer d'aller plus vite dans la construction de notre nouvelle île. Donc là, ouais, ça faisait 130 de long, ici, ou de large, 160 de long. Bon, là, j'ai renié un peu les coins, mais on verra comment on va faire, mais on va faire des trucs un peu carrés, tout ça. On va essayer de faire un double couloir ici, pour que... On verra si on peut faire des couloirs pour que les mecs ils puissent surveiller des choses avec des cellules. On va faire des blocs de cellules. On a largement la place pour faire plein de blocs de cellules, donc on verra. J'imagine une cour au milieu, une petite cuisine ici, ou une première cuisine ici, une cantine, peut-être la même chose là, une sorte de symétrie entre les deux blocs. Alors bien sûr, si on fait des symétries tout comme ça, on va avoir besoin de choses en double et ça va être très très coûteux. Mais je pense qu'on devrait arriver à quelque chose. Il est 9h.
On va tenter de faire de nouveau une fouille. On va lancer la fouille générale maintenant. Voilà. Qu'on le fasse assez tôt, parce que si on le fait au dernier moment, on n'y arrivera pas. Sauf que bien sûr, ils auraient pu s'épargner de faire une fouille ici quand même, mais bon. On ne dira rien. Sauf que voilà. Waouh, c'est ça, c'est bon au niveau des portes. Là, ça se passe bien, donc ouais. Oula, 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 oula. J'ai un souci là. Ah, j'arrive pas à voir qu'est-ce qui s'est passé. Ah, mort d'overdose, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Encore un mort d'overdose, donc... Après, il y en avait un deuxième, mais je ne sais pas où il était. Ça, c'est moins cool. J'essaie de voir si... Là, le mec, il s'est frité sûrement. Affamé... Et peut-être un peu jet d'agitation ici, ce qui n'aide pas du tout. Connecté. Nombre de connectés, déjà le nombre qu'il fallait. 8 déjà. Ah non, il en restait une à avoir. Parfait. Ça va nous permettre de voir un petit peu mieux. Voilà, il est 1h du matin, on a fait déjà un tiers. C'est très très long, hein. C'est très 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 long de le faire. On va essayer de faire un petit entrepôt quand même ici, dans le coin. Ouais, on a bien fait de faire une fouille générale encore. Ils essaient de creuser. Retirer le... Voilà. C'est lui qui a essayé de se faire une tentative d'évasion, j'imagine. Bon, finalement, ouais, ça se passe très bien. On a quand même perdu deux gars, un qui a fait une tentative de tunnel, on va dire. On était qu'au début, hein. Mais de faire de la foudre régulière comme ça, on se part vraiment de cette partie-là. On sécurise énormément. C'est un véritable bonheur de voir ça, si on peut dire. On a énormément de cordes, je crois que c'est. Ouais, ils arrivent à se faire de la corde ici. En parallèle, on va revérifier quand même si on n'a pas un mec qui doit être mis en sécurité. Dans tous ceux qu'on arrive à voir. Qui ont des aptitudes. Ici, non. Forest Empire, Fort Bagger, tout ça, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien, semble-t-il. Et c'est là où on n'a pas forcément vu surtout. Non, là, il y a un sacré mélange. Des sources de conflit ici quand même. Hein. Après j'aurais pu tenter de mettre les chefs de gang ici. Membres de gang, mais je sais pas s'il y a chef de gang, je sais plus si c'est marqué comme ça ou pas. Non, ce sont que des membres de gang. Mais les dissocier ou les séparer pour être un peu plus peinard, mais voilà, c'est. Ça mettra peut-être en danger les ex-balances. Non, les ex-agents de la loi ou les balances. Donc on va s'épargner ça. Là c'est pour vider ça. Là on a fini tout le bas. On a fait ça. On a fait tout là. Ouais, ils sont en train de faire deux côtés à la fois. C'est très bien. Ah, ça va se faire. On n'aura pas fait grand chose là je pense. Parce que ça va être très très long. Vu qu'on a un peu d'économie. On pourrait, c'est vrai, employer un peu plus de... De gars. 4, 5. Voilà. Et il est 7h du matin, on va faire jusqu'à 8h et on va arrêter la fouille générale. Parce que ça reste très long, surtout voilà, faire des rondins de bois. Voilà, on va tout arrêter. Certains se sentiront peut-être un peu matés ou avoir été fouillés, voilà, se plaignent sérieusement. Et il y en a 72 qui se sentent bien sûr fouillés inutilement. C'est pas cool du tout, mais c'est pas grave. Là, on voit que finalement, on va pas faire grand-chose ici. On va démonter les murs. Finalement, on voit que ça sert à rien. Quelque chose fait il y a longtemps, mais qui n'a pas du tout abouti parce qu'il n'y a pas assez de place à ce niveau-là. Là, la porte était bien mise.
Voilà. Je pense qu'on va pas faire grand chose sur cette partie-là. Non, tout tourne tout seul. Hein. Mais l'économie a du mal à monter. Hein. Ça, je vous l'accorde, ça va être compliqué. Voilà, 36, c'est bien. On a eu 3 qui sont partis d'un coup. Est-ce qu'il y a des mecs qu'on doit mettre de côté? Anaxa, Jean de la Loi. Lui, il est déjà mis de côté. Tac, tac, tac. L'informateur secret potentiel. On pourrait bien sûr l'appeler, mais on va éviter. On a quand même 10 moyens de sécurité, haute sécurité, 49... Ah non, pardon, oui c'est ça, 49 moyennes et 95 basses, 22 aliénés. Je dis ça va, hein. On va pas prendre plus de haute sécurité, ça reste quand même problématique en temps normal. Donc on va éviter cette partie-là. En tout cas, là, tout se passe bien. Pour l'instant, dans le meilleur des mondes, entre guillemets. Ouais. Ici, je vous... Je vais peut-être tout faire en mode plan. Pour essayer de voir un peu comment on peut le faire. Là, on va finir ça ici. Voilà. Tout est fermé à première vue. Voilà, l'île est isolée, normalement. Il reste un truc ici qui manque. Un mur. Objet au mur démonté. Ouais, c'est celui-là qu'il fallait démonter, c'est bon. Le plus dur, c'est de s'assurer qu'il ne manque pas un truc. Là, il en manque un ici aussi. Ouais, c'est que ils ont pas fait dans le bon ordre là-bas, c'était pour ça. Tout a été fait ici dans le bon ordre. C'est parfait. Maintenant que ça c'est fait, ça va le faire. Là, on est... Est-ce que cette partie-là, elle a été faite? Non, pas encore. On pourrait pas ramener des brouettes ou quelque chose comme ça pour être le plus peinard. Hop là, toi tu vas pouvoir finir ça. Qu'est-ce qu'on a là? Un point lumineux. Je sais pas ce que c'est bizarre. Ici. Ouais. Logiquement, c'est fait partout maintenant. On va vraiment être tranquille maintenant. Franchement, là, c'est fermé. On enlève tous les rondins de bois. Ils vont tous être vendus. Voilà, là, on a de quoi vendre. Hein. On a au moins 2000 ici d'argent. On a les arbres qui poussent tranquillement ici. Ce qu'on va juste faire... ouais, c'est ça, oui. Je cherchais ce que c'était, c'est ça. Je sais jamais quelle partie du mur faut mettre ici, donc on va faire ça. On va forcer le truc pour que ça aille plus vite. Un autre truc que j'ai pas fait, c'est interdire cette partie-là. Accès limité, bien évidemment, on limite tout le monde. Voilà, très très bien là-dessus. Bien sûr, les gens pourraient venir jusqu'ici. J'ai un sniper de toute façon qui est prêt à tirer. J'en ai. Genre lui, qu'est-ce qu'il fait là? Je crois qu'il. J'ai l'impression qu'il est ramené tranquillement. Déploiement. On va essayer de mettre un autre gardien quand même. Enlever celui-là. Voilà, le but, on essaye de mesurer ça. On va juste rajouter, maintenant qu'on a un peu d'économie, 4 gardiens. Du moins, 50. On monte à 55 gardiens. Parce qu'on voit qu'on a quand même du mal. Oh là, j'ai pas lancé une fouille des tunnels. Tout secteur. La prochaine fois, on fera des fouilles générales. Par secteur, pour être le plus tranquille. On va attendre d'être dans la journée pour essayer de faire
Est-ce qu'on a un premier plan? Voir déjà combien ça va nous coûter de faire les murs. Si ça se termine, c'est très bien. Ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de faire une cour de ce genre-là, intérieure. Oh, j'avais fait un isolement en plein milieu ici. Parce qu'il en fallait un ou deux ici. Donc on avait fait ça. On va. Le seul souci, c'est que c'est la taille qui va me gêner. J'ai vu qu'on n'avait pas fait de gymnase, donc il faut qu'on travaille le gymnase dans les pièces qui nous restent à faire. Un lieu où les deux ne peuvent faire des exercices, se relâcher ou relâcher leur activité, ou s'entraîner à gérer les désaccords à l'ancienne. Voilà, donc se taper dessus, j'imagine. Ouais, bande muscu, tapis de gym, etc., etc. Donc il faudra qu'on fasse ça ici. Ok, la fouille générale des tunnels n'a rien relevé, c'est parfait. 53 sont matés. Bon, en pleine nuit, de toute façon, il n'y a pas beaucoup qui s'expriment leur. On va dire le pas leur bien-être, mais. Connecté à. Voilà. Ce qui est bête, c'est d'avoir mis un truc ici, mais bon, pourquoi pas. Et tu manges ici. Ok, pourquoi pas. On dira rien. Tant que ça mange, on va pas s'en plaindre. Regardez, tout ça va être à vendre. C'est excellent, ça. Sauf que tout le bois n'a rien à faire. Réellement, le bois n'a rien à faire ici. On a fini cette partie-là, on arrive le jour. On va voir si on peut faire un plan. Alors, comment on fait déjà les plans? Vraiment construire selon votre plan. Alors non, parce qu'on n'a rien fait. On va juste regarder le prix des fondations. Ouais, c'est 85 000 pour faire une fondation, donc ça va coûter un bras. Vous s'en donnez ce d'ordre réel, construction. Là, on ne peut pas. Ça, c'est vraiment que pour faire des murs. Que pour faire des murs, donc ça ne plaît pas ça. Ouais, on va attendre un petit peu d'avoir des économies. On a encore beaucoup de monde qui doivent rentrer et qui doivent sortir. Ça va nous faire monter. Il faudrait qu'on arrive à passer quelques jours. Je ne veux pas surtout vous faire rater un événement important. On va essayer de voir si on peut vendre le bois comme ça à la main déjà. On a fait des premières planches, pourquoi pas, même si on n'en a pas besoin. Ah, ça fait du fric, hein, ça fait du fric, hein. Ouais, ils font quand même des planches, mais c'est pas ici qu'on demande de les faire les planches quand même, hein. Ah, là, on va tout vendre d'un coup. Voilà, 49 000, c'est bien, hein. Bien monté d'un coup. Putain, là, on pourrait faire même les lits. Si on démonte ça, on va quand même remettre les ateliers menuiserie maintenant qu'ils sont en train de faire des planches alors qu'auparavant ils ne les faisaient pas. Mais je pense que c'était la foresterie qui manquait. C'est pour ça. Maintenant qu'on a la foresterie, ça ne se pose plus la question. Et là, clairement, on va pas s'embêter aussi. On va prendre ça et on va tout vendre à la main, par nous-mêmes, ça fera que gagner du temps. Ouais. Alors, peut-être pas tout enlever non plus, hein. Oui, on va tout recouvrir d'un grand mur parce qu'il faudra qu'on fasse une foresterie en extérieur. Des chemins de patrouille aussi. J'imagine. Donc tout ça fait que y aura quand même de la des choses à laisser ouvert. Établi de menuiserie, ouais. Je sais pas si ça peut le faire ou pas, mais.
On va voir. Maintenant qu'ils font des planches, on va voir. Au début, ils ne voulaient pas, mais il n'y avait pas d'arbres. Donc, c'était une logique implacable. Maintenant, il y a moi la question qui se pose. Là, il va détruire les deux arbres, peut-être. Au moins un. Il est là ou pas? Bon, je pensais qu'il y avait un gardien. Un ouvrier, mais finalement, non. Ok, très bien là-dessus. Très bien. Alors, on a dit que notre stratégie, c'est de faire des ateliers. Donc, on va essayer de faire un atelier. Non. Non, non, non. On pourra pas s'amuser à le faire comme ça. Il nous faut vraiment de l'économie, sinon on va pas y arriver. Comment on peut faire ça? Est-ce que les lits, les planches vont être prises en compte pour les lits, tout ça? C'est ça la question que je me pose. Pareil, la planification, en fait, le problème que j'ai. Votre puissance, sans donner l'ordre réel de vos ouvriers de faire ce qu'ils. En fait, je sais pas si. Ça, c'est des chemins, mais des chemins, je veux bien, mais. En fait, les murs, est-ce que les murs. D'accord, donc ça, c'est pour faire des fondations automatiquement. Porte sera. Donc, si on fait. Alors, j'imagine, on va faire 1, 2, 3. On va partir comme ça. 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3. Voilà. Ça va être déjà notre structure. On va même faire un peu plus grand quand même là. On va retravailler la structure finale derrière, bien sûr, mais ça, j'imagine comme ça. 2, tac. Ici, on va faire une foresterie. Donc, foresterie dit qu'il faudra laisser beaucoup de place. 1, 2, 3. Juste qu'ici. Voilà, 1, 2, 3, pareil. Ici, on va quand même laisser un carré. Voilà, comme ça. Ici, on va casser ça, essayer de faire un peu plus carré. On va regarder les précisions, parce que là, j'ai fait un peu au hasard. On va essayer de travailler sur ces mesures-là avec, on va dire, exactitude. Là, logiquement, il va nous dire. Bah, il n'a pas décidé de nous fermer le mur. Bon. Voilà. Donc, ça serait un peu la structure, au moins intérieure. Avec la foresterie ici. Ce qui est certain, c'est que la foresterie, on peut déjà la programmer, même si elle nous servira à rien. On la fera probablement là. À côté, on aura mis un atelier, bien évidemment, en mode plan de construction. L'atelier ici faisait combien de long? C'est compliqué. Compliqué, il faut se mettre là. Alors, il faisait 18 de long. 18 de long, ça va pas être suffisant si on a un énorme bloc. Donc, je pense qu'on va faire vraiment un truc immense. Là, on était à 18 aussi. J'ai réellement envie de faire un truc comme ça. Ça serait vraiment tout ce qui est lié à la foresterie, donc un atelier de menuiserie. Complètement un atelier menuiserie. Là-dessus, on serait d'accord. Est-ce que je peux déjà dire ce que ça peut être? Un atelier ici. Et l'atelier sera immense. Je pense qu'il est même peut-être trop trop grand.
Beaucoup trop grand, je pense. On a les yeux un peu trop grands quand même. Voilà, on va plutôt le faire là. Et clairement enlever. Comment on fait pour retirer cette partie-là? Ah! Toujours le même problème. Il faut que l'atelier soit placé pour déjà savoir quel sera notre revenu. Il va y avoir tout ce qui est sécurité et tout. C'est tellement immense en fait qu'on peut se dire qu'on peut faire un truc vraiment mais énorme. Énorme. Il faut aussi de l'admi, pas de la mission, mais tout ce qui est ça, conditionnel et tout. Le même genre de bloc en peut-être plus optimum. Faut voir comment on va faire, mais quelque chose d'optimal plutôt pour qu'on s'en sorte bien. Là, ouais, c'est bien, il va faire peut-être des planches à un moment donné. Il a au moins mis les planches en entrée, on va peut-être faire les lits, et si on fait les 10 lits, ça va être bien. Parce qu'on pourra déjà être un peu plus dans. Un peu plus tranquille. Je vais dire comment on peut faire le reste. J'imagine. J'imagine. C'est bien sûr, tout cela sera réajusté. Tout ça sera réajusté. J'aurais tendance à faire. On verra si on en fait un deuxième quai pour les visiteurs. Parce qu'en fait, là, on pourra pas faire un quai pour les visiteurs. Ici, on pourrait imaginer potentiellement ou les laisser prendre le même. Je serais pas chaud chaud. Je pense plutôt qu'il faudrait faire un quai spécial visiteurs ici, parce que ça, on peut leur dire. Hein. Quai pour bateau, et là, c'est que les visiteurs. Hein. Logistique, transport. Voilà, là on sait qu'il prend pas les vivres, il prend les visiteurs, les entrants, les civils et les sortants. Ici, il prend que les entrants. Donc, c'est pour ça, là, on va travailler là-dessus. Je pense qu'on pourra mettre un quai. Alors, en haut ou en bas, tout dépendra comment on voudra partir. J'imagine que la première prochaine étape, si on veut s'agrandir, pourrait être en bas. Soit on s'agrandit en bas, avec un double bloc ici et en dessous. Soit on part encore sur le côté, mais je pense qu'on partira plus en haut pour faire un plus gros, une surface un peu moins longue. Ça améliorera notre vue. Donc si on part en haut, non, on partira en bas plutôt. Et donc on va revoir la structure ici pour mettre des quais. Donc on a dit, ici, il faudra faire tout ce qui est accueil. Ici. Ici, ça va être un mur là. Il y aura un accueil ici. Il va y avoir donc, j'imagine, un couloir comme cela, plus ou moins, qui va desservir. Donc c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. Il faudrait plutôt des murs. Donc 6 d'intérieur. Attendez, ça fait 1. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il faudra partir comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Après, ça, c'est combien de long? Et 1, 2. Donc, il faut un nombre pair de murs. 3, 4, 5. Alors, là, on est à 10. Si on ferme ici, on est pas mal. Ça en fait 5. Un truc de visiteur, ça peut. On peut faire un parloir également. Alors moi, je pense que surtout le parloir, il va nous être utile, mais ça risque d'être beaucoup trop. Ouais, non, il y aura beaucoup de monde, il faudra ça. Là-bas, il fait combien de surface? 1, 2, 3. Ça fait 6 de long. Ok, 6 de long. 8, ça fait 80. 6 de long, on peut imaginer. Ou alors, en le mettant dans les coins, ça peut être pas mal. Et là-bas, on avait fait des surfaces de 5 sur 5. Les parloirs, on est d'accord que c'est 5 sur 5 ou pas?
conditionnel, c'est du 5 sur 5. Voilà pourquoi on fait du 5 sur 5 ici. Et pour le truc du 5 sur 5, on va l'avoir. Alors, si on ferme au moins cette partie-là, ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 2, 3, 4, 5. Aïe, aïe, voilà le problème. Voilà le problème, c'est qu'on ne va pas être très très synchrone. 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Dans ce parti-là, on va faire une fouille de tunnel comme d'habitude. Tout secteur. On voit que c'est compliqué à faire ça rapidement. Je pense que je vais préparer tous les plans en dehors de la vidéo et vous les montrer dans le début de la prochaine. On aura une bonne vision d'ensemble et après on n'aura plus qu'à recouvrir ces murs-là avec l'ensemble des choses. Je vais partir plutôt de cette manière-là parce que sinon ça risque d'être trop long et pas passionnant. Donc sur ce, je vais vous dire donc bonne continuation. Alors on va plutôt attendre que la journée se passe pour être vraiment tranquille et finir sur une vue un peu plus claire, mais ça sera mieux. La réflexion va être tellement longue que ça va être insupportable hein, pour vous, clairement. On en est où? Là on se dépêche là-dessus. Ça vit bien, hein, on n'a pas encore fait les lits, on a fait les planches qu'on a mis de côté en tout cas. Ça c'est bien, il y a encore de la vente qui va se faire. J'imagine qu'on pourra avoir ça prochainement, les lits. Atteint cet objectif là, celui-là. On va regarder si le programme il a avancé au moins du. Le programme en question qui était d'enseignement général. Ici, Barry. C'est bien Barry. On voit pas si il va y arriver ou pas. Ouais, sûreté, enseignement réussi. Ouais, il est en train de faire ça et il a. Quelques chances de réussir, j'espère qu'il y arrivera. Parce que si on fait 40 plus 5 plus 10, ça nous fera déjà pas mal de sous. Là, faudrait qu'on fasse toute cette partie-là pour essayer de débloquer comme le paradis fiscal, mais ça nous coûte un bras. Oh, c'est dur. Cette partie-là est délicate. Et en termes de subvention, on pourrait prendre le bloc E pour nous donner un peu plus de d'argent. Mais ça va pas être suffisant, ça donne que 10 000. Et clairement, les 500, les 300 de capacité, on les aura ici. Hein. On aura optimisé tout ça et on les aura. Voilà. En tout cas, c'est de très bon augure ce qui va se passer, mais ça va être très très long à mettre en place, donc je vais préparer ça en off pour la partie plan et le reste, vous l'aurez, on les construira au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation et je vous dis donc à la prochaine. C'était Cyril. Ciao, bye bye.